Mesdames, Messieurs les journalistes, chers concitoyennes et concitoyens, il y a de cela un mois, jour pour jour, le mardi 3 janvier 2023, plus exactement, la société civile sénégalaise avait répondu à une invitation du Premier ministre, M. Amadou Ba, pour échanger avec le gouvernement sur la situation nationale et surtout pour poser à celui-ci les exigences du peuple sénégalais quant à la suite à donner aux conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les fonds du Covid-19. Lors de cette rencontre, les organisations de la société civile, d'une seule voix, ont réitéré les exigences fortement exprimées par les citoyens lors du rassemblement des forces vives de la nation tenu le vendredi 30 décembre 2022 à la place de la nation, à savoir. Premièrement, la démission de tous les mis en cause ou à défaut, qu'ils soient démis de leurs fonctions. Deuxièmement, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. Troisièmement, l'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour. Et enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile. La réponse du Premier ministre et des membres du gouvernement qui l'ont accompagné a été d'assurer à la société civile que des actions allant dans le sens d'appliquer les recommandations de la Cour des comptes seraient posées dans les meilleurs délais. Il est à constater, malheureusement, qu'au bout d'un mois, échéance donnée pour agir dans le sens de l'intérêt des Sénégalais, les choses n'ont pas bougé. Notons d'ailleurs qu'il a fallu une rencontre avec le FMI pour que la transmission du dossier au procureur de la République soit communiquée aux Sénégalais. Le temps d'agir leur a été suffisamment donné. C'est la raison pour laquelle le collectif Sunu Milliard d'Ourès appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à poursuivre la mobilisation entamée le 30 décembre 2022 à travers le grand rassemblement des forces vives de la nation. Sunu Milliard d'Ourès lance une plainte populaire que chaque citoyenne et chaque citoyen remplira et déposera ce lundi 6 février 2023 à partir de 9h auprès du procureur de la République au tribunal de Dakar. Dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux. Le modèle de la plainte sera disponible dès la fin de cette conférence de presse sur tous les réseaux, sur toutes nos plateformes et au siège de toutes les organisations membres de la plateforme. Aussi, une pétition en ligne sera lancée dès ce soir pour permettre à nos compatriotes du pays et de la diaspora de marquer leur engagement sans faille à cette lutte, pour que ce rapport de la Cour des comptes n'ait pas le destin de tous les autres qui dorment dans les tiroirs du procureur de la République. Le dor d'Omlak doit cesser dans ce pays, ainsi que le Kumba Amdei, Kumba Amulday. Sunu Milliard d'Ourès, je vous remercie de votre aimable attention. C'est ma sœur Gaëlle Babacar Mbaye pour lecture en français ou déclaration liminaire ou conférence bi nga xamanteni collectif Sunu Milliard d'Ourès mom moko woté damay tambali rek comme ni ma koy défé say suné di jajeufal journaliste yi ci sen téway waye it di djéggelo ci retard bi nga xamanteni apporté nañ ko au démarrage de cette conférence de presse di nan mbokk yi mardi 3 janvier biñu jogé 2023 gouvernement du Sénégal le premier ministre invité won na société civile sénégalaise ci ben ndaje bu am solo ndaje bi nga xamanteni lim ci djublu won moy waxtane rewmi la situation nationale waye li gëna tax organisation ou société civile yi dont le collectif Sunu Milliard d'Ourès ñu japon ni war nañu tew ci ndaje momu malgré réticence sénégalais yu bari ndax dama koy rappeler biñu fësalé ni collectif Sunu Milliard d'Ourès
day téw ci ndaje momu nga xamanteni premier ministre woté nako té ñu japonni war nañ fa dem cri de cœur ak kaddu yi nga xamanteni sénégalais jibalon nañ ko ci place de la nation lu jëm ci suñuy milliards yi ñu loubal ci asmi sénégalais yu bari japon nañ ni jaruko ndax gouvernement bi c'est un gouvernement bi nga xamanteni sénégalais yi amatul ben yaakar biñu def ci mom dafa am ben rupture de confiance entre le gouvernement et le peuple sénégalais li gënon tax sax sénégalais yu bari ñu japp ni suñuy milliards du reste ndaje mom waru ci dem bokku na ci rapport yi nga xamanteni plus d'une trentaine de rapports du ay corps de contrôle de l'état ñu épinglé ci ñi nga xamanteni ñu ngi ci nguur gi té mujjul fenn soit président de la république mom mo ci tek ku dem wala mu ngi nelaw ci ay tiroiru procureur de la république yoy yep taxna sénégalais japon ni ñun waru ñu won dem sax ci ndaje momu ndax amut njariñ waye nak ñun ñu japp ni ay organisation société civile yi ñu doon nek ci collectif sunuy milliards du reste que gouvernement du sénégal buñu wowe pour que ñu am occasion wu face au premier ministre yeggé ko li nga xamanteni mom le sénégalais wax que dinañ ko def tant qu'il est possible de discuter tant qu'il est possible de se parler ci waxtaan yoyu nak nam wax nañu ci yenn yi nga xamanteni soxal na sénégalais yi ci sen dundin ci mbirum démocratie au sénégal ak yenen ak yenen waye li ci upp solo moy kaddu yi nga xamanteni organisation de la société civile yi dans leur globalité djibal nañ ko pour poser exigence yi nga xamanteni mom le citoyen yi poser ci mbirum rapport cour des comptes li fa feñ ak conclusion ak recommandation yi nga xamanteni cour des comptes def na ko ci rapport am bobu exigence yoy nak yi société civile poser won le gouvernement du Sénégal bok na ci démission wu képp ki nga xamanteni laalé nga ci mbir mi képp ki nga xamanteni rapport bi fessel na ni amna li nga xamanteni soit japp na ni loubal nga ko ci ay copperu peuple sénégalais wala en tout cas laalé nga ci d'une manière ou d'une autre que ñom ñep ñu démissionner wala ñu démettre len de leur fonction deuxième ponk bi nga xamanteni aussi waxon nañ ko fa moy bepp khalis bi nga xamanteni amna ku ko ci loubal nang ko rembourser ba ci copper bi gëna touti ba ci centime bi gëna touti boko defulit que état du Sénégal à travers la justice ñu def liguey bi war pour que say bien matériel say bien foncier wala ay copper yi nga xamanteni lak nga ko que ñu lakarti ko ñu dello ko sénégalais yi ndax ñom ñoko mom waye yit que ñu fexé ba procureur de la république ouverture recommandation ouverture 12 informations judiciaires yi nga xamanteni cour des comptes def nako ci rapport am que ñu def ko limu gëna gaaw waye it néwon nañ ni pour que ñu mëna saytu di xol mbir mi ni ko gouvernement bi di ko doxale que ñu mettre en place ben comité bi nga xamanteni société civile ak yenen acteurs dinañ ci bokk pour que ñu top mbir yi mu baña nax say bi société civile ci waxtan wowo bi mu fédéluer ses exigences du peuple sénégalais le gouvernement du Sénégal à travers premier ministre assuré won na organisation société civile ni ci limu gëna gaaw ci niko peuple sénégalais bëggé gouvernement bi dina engager processus bi nga xamanteni dina permettre conclusion yu nekk ci ak recommandation yu nekk ci rapport cour des comptes que ñu doxal ko ci limu gëna gaaw waye nak force est de constater que un mois après jour pour jour c'était le 3 janvier 2023 tay ñu ngi ci le 3 février 2023 que matna wer amul ay djégo yuñ ci tek ñun japon nañu raisonnablement ni gouvernement bi bu jëlé engagement yi ni mel néni fiek wer sénégalais yépp dinañ tek sen bëtt ni mbiri mu ngi dox et que justice limu ci wara def mu ngi koy def ñu japon ni war nañ leen mëna may lolu xol ba xam lan lañuy tek comme djégo waye tay ji ni sénégalais yépp gis nañ ni amut ben djégo biñu tek procureur de la république boudé ay activiste la boudé c'est des membres de l'opposition wala yenn sénégalais lambda yi nga xamanteni ñun ay doomu badolo lañ
dina gaaw lol ci auto saisir pour que ñu tegg la loxo ñu neub la jant bi bi ci muju rek gis nga ko gis ngeen ko ñu melni ay ñom nit dof ci ay cadeau yu ñu jibal ci internet limu gëna gaaw japp nañ leen yobbu leen mettre leen sous mandat de dépôt ñu ngi ci kasso bi ak yenen sénégalais budé ñun dina gaaw lol waye budé ñi nga xamanteni ñom lañu denk suñuy copper ñu loubal ko justice du def li war gis ngeen nu mu démé ci mbir mi té liñ ci mëna wax aussi moy bu ngeen yapp sénégalais wessuul information bi nga xamanteni dafa feussel ni procureur de la république djebal nañ ko dossier bi budul won rencontre entre FMI ak gouvernement du Sénégal sénégalais duñ ci yegg dara ndax dañu xey rek presse bi mo ñu yeggal di ci rencontre avec FMI bobu yeggle nañ fa ni procureur de la république jox nañ ko djebal nañ ko dossier bi bobu ba tay amut lenn li nga xamanteni poser na ko comme acte et comme ni mako waxé budon ñun activiste mouvement citoyen opposant wala yenn ci sénégalais yi mbir yi day daldi gaaw waye fimné ni gis ngeen numu démé lolu yépp taxna collectif sunuy milliards du reste mu ngi wo sénégalais yi pour que rassemblement bi nga xamanteni defon nañ ko le 30 décembre 2022 ci place de la nation djuk biñu djugon yuxu crier très fort neni suñuy milliards du reste gannaaw buñ leen mayé app wèr wi té defuñ ci lenn li nga xamanteni jëm na ci sénégalais luñu bëgg faut que ñu dello boom gi ci mboy gi dañuy wo sénégalais ci benn plainte populaire bi nga xamanteni suñuy milliards du reste dina ko lancer à partir de tay pour que lundi inshallah altiné à 9h au niveau du tribunal de Dakar que bép sénégalais bi nga xamanteni jot nga modèle plainte bi nga xamanteni dinañ ko fessel ci réseaux sociaux yi dinañ ko fessel ci suñuy réseaux yépp waye yit bép organisation bu bok ci collectif suñuy milliards du reste bép citoyen bu dem ci siège am di nga mëna am modèle plainte bi nga xamanteni bind nañ ko ba paré da ngay daldi bind sa tour rek ak sa sante ak sa contact nga signer ko que bu lundi wé inshallah 9h au niveau du tribunal de Dakar dem déposer plainte bobu en tant que citoyen auprès du procureur de la République pour que limu wara def ci ligéyam mu def ko ndax xaalisu sénégalais la boudé ministre de la justice daf ko transférer dossier bi deful li war ñun sénégalais yi war nañu am fulla ak fayda pour que plainte yoyu ku ci nek ci ñun mu dem djebal koko pour que mu def ligéyam nimu waré ndax suñuy milliards warut res lolu nak au-delà de Dakar fep ci Sénégal citoyens yi aussi nañu tirer modèle plainte yi dem ci seni tribunal départementaux wala régionaux au niveau des procureurs yi fa nek que ñu déposer plainte bi pour que ñu xamni sénégalais yi ils sont déterminés à ce que suñuy milliards mu baña rester dinañ ko top diko top ba suñuy milliards ñu gokki ko ñu genné ko ndax nu mu tuddati xajna ci paj mi xajna ci xeyu ndaw yi xajna ci njang mi xajna ci yenen ndax rew mi fi mu tollu ñepp gis nañ ko lenen li nak moy amna ben pétition bi nga xamanteni aussi dinañ ko lancer à partir de tay ci ngone pour que bép sénégalais bi nga xamanteni surtout ñi nek ci diaspora bi waye ci bir rew mi aussi mbirum dem déposer plainte bi mënuñu ko wala dinañ ko def sax waye bëggu nañu aussi gëna deugal exigence yi nga xamanteni mom le peuple sénégalais posé à travers suñuy milliards du reste que nga mëna signer pétition bobu ñu mëna and ci xex gogu lolu yépp nak li ko wundu rek moy fexé ba rapport yi nga xamanteni comme ni mako waxé sank plus de 30 rapports yi nga xamanteni corps de contrôle yi def nañ ko mu am ñun ci épinglé ñu bok ci nguur gi té mujjut fenn yenn yi président mo ci tek cioncham yenn yi ñu ngi ci tiroiru procureur de la république que rapportu cour des comptes bi nga xamanteni jëm na ci gestion wu copper gi ñu jaglélon xexu mbass mi que mu baña am le même destin té bu soba yalla dinañ ko top dinañ ci taxaw dinañ ci mobiliser wu parce qu'au delà de la plainte ñu ngi jëm encore
qui poursuit toute mobilisation yi nga xamanteni tambali won nañ ko le 30 décembre 2022 ci place de la nation dina jël benen envergure dina don Dakar way dina don fepp ci Sénégal pour que Coumba am ndey ak Coumba amul ndey bi nga xamanteni mu ngi am ci réew mi mu baña am encore une fois mbir mi warul am ay bouc émissaire da fa am des enfants gâtés de la république yi nga xamanteni parce que djégué nañu président de la république ñen ñi c'est des ministres ñu ngi leen tuddu ci mbir yi ken topu leen ken waxu leen dara te buñ sétané rek mbir mi du muju fenn waruñu jël ay second couteau rek ak ñak ndey yi nga xamanteni peut-être ñu né voilà ñen ñi c'est des dages ñen ñi c'est des li ñu japp leen ñu donne les second couteau les boucs émissaires les agneaux du sacrifice ba paré ñu bayyi ay yenn ministre yi nga xamanteni laalé nañ ci mbir mi voilà ñu doon yi nga xamanteni ñom ñoy ay Coumba am ndey kenn du len laal kenn du len def dara lolu aussi dañ ci wara taxaw lolu aussi dañ ci wara ibbi suñuy gëtt pour que li wara am mu am ñepp ñi laalé ci mbir mi que justice mu def ligéyam donc lolu la len doon yeggé ci kallama